Oui, je suis d'accord avec vous qu'on ne doit pas juger des hommes de Dieu. Je suis d'accord avec vous qu'on ne doit pas parler mal des serviteurs de Dieu. Mais par rapport à la vidéo de la consécration sur du prophète Emmanuel Sawadogo par Mamadou Karambiri, est-ce réellement véridique, oui ou non? Est-ce que cette manière de faire est-elle biblique ou pas? Au travers de cette courte vidéo, je vais essayer de démontrer cela par la lumière de la Bible elle-même. Donc tous ensemble, suivons un extrait de cette consécration. Emmanuel Sawadogo, il sera établi. Le vrai nom, c'est prophète des nations. Le prophète voyant. Donc, vous-même, vous voyez, Emmanuel Sawadogo a été établi prophète des nations. Il a été établi prophète des nations, prophète voyant. Alors que nous savons que lorsque quelqu'un doit être établi prophète, c'est un autre prophète qui doit le oindre. La preuve est que dans la Bible, c'est le prophète Samuel qui a oint Saül roi sur Israël. C'est le même prophète Samuel qui a oint David roi en tant que roi sur Israël. Et puis David a été prophète aussi. Dans la même Bible, c'est le prophète Élie qui a laissé son manteau à un autre prophète Élisée. Donc il y a déjà une concordance. Ce n'est pas un désordre. Mais Karambiri va s'élever et puis il va établir, il va consacrer Emmanuel Sawadogo, prophète des nations. Est-ce réellement cette manière de faire est-elle correcte ou pas? Écoutons Karambiri lui-même. Dieu m'a mis comme enseignant. Je ne voulais pas ça. Vous pouvez m'appeler père de francophonie. Je ne suis pas père de francophonie. Mais qui je suis? Membre du conseil secret de Dieu. Voilà. Ça me suffit largement. C'est quand même ça. Laissez-moi, patriarche de la France. J'ai donné ça aux gens quand j'étais allé en Côte d'Ivoire. Francophonie, apprenez votre francophonie. Dieu m'a dit, membre du conseil secret de Dieu. Il parle sur les nations. Il nous dit des choses à venir. Je n'ai pas le droit d'en parler. Je prie, j'écris. Karambiri lui-même dit que lui, il n'est plus le patriarche de la francophonie, le père de la francophonie. Désormais, Dieu lui a dit que il est membre du conseil secret de Dieu. Karambiri dit que lui, il est membre du conseil secret de Dieu. Il commence toujours par Dieu m'a dit. Je ne dirai rien, si c'est Dieu ou pas, on le saura. Mais lisons dans la Bible, dans Amos 3, le verset 7. Or, le Seigneur l'Éternel ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous savons que lorsque quelqu'un doit connaître les secrets de Dieu, il faut que d'abord cette personne soit prophète. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas Abou Badou qui le dit. C'est la Bible qui dit que pour connaître les secrets de Dieu, il faut être prophète. Car Dieu ne fera rien qui ne révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Karambiri, est-il prophète, oui ou non? Je ne suis pas prophète. Donc, nous-mêmes, vous voyons que Karambiri est-il prophète, oui ou non? Lui-même, il a dit qu'il n'est pas prophète. Mais toi, tu n'es pas prophète. Mais par contre, tu consacres quelqu'un prophète. Est-ce que ça, c'est vraiment... Est-ce que cette manière de faire, elle est correcte? Donc, c'est pour vous dire que vous qui êtes à la recherche de la vérité, ce que ceux-là sont en train de faire là, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est du banditisme. C'est de la délinquance spirituelle là. C'est un désordre absolu. Voilà pourquoi j'ai dit par la première vidéo que cette manière de faire là, elle n'est pas correcte. C'est anti-biblique. Parce que pour établir quelqu'un prophète, il faut que toi-même tu sois prophète. C'est par là que Dieu te... C'est par là que...
tu peux oindre quelqu'un d'autre prophète. Mais Karambiri n'est pas prophète. Il dit qu'il fait partie des membres conseil du secret de Dieu. Et puis comment toujours, pas Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit. C'est Satan qui t'a dit. Karambiri n'est pas un serviteur de Dieu. Karambiri ne fait pas partie du membre du conseil du secret de Dieu. Parce que selon la Bible, pour connaître les secrets de Dieu, il faut au préalable que tu sois prophète. Mais si Karambiri peut dire, je ne suis pas prophète, mais en vertu de quoi tu peux mandater quelqu'un prophète? Quand j'essaie de regarder cette manière de faire, au fait, quand je regarde cette manière de faire, cela ressemble à un vautour qui appelle un corbeau et dit au corbeau que désormais tu seras aigle. Karambiri c'est un vautour et Manet Sado c'est un corbeau. Un sacrificateur n'établit pas quelqu'un dans la sacrificature. La Bible n'a jamais dit ça. Si on en serait toujours. Emmanuel Savadro, il sera établi. Le vrai nom, c'est prophète des nations. Le prophète voyant. Donc, ce qui veut dire, quand il sera au moins aujourd'hui, une onction fraîche va venir. Cette onction fraîche va se déverser sur Émilie. Son ministère sera suivi de signes et de prodiges. Les paroles prophétiques, sachant qu'elles soient prophétesses. Donc, vous-même, vous voyez que Karambiri peut dire que Emmanuel Sado sera prophète voyant et autre. Il viendra avec des prodiges, des miracles. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Un prophète qui n'a pas de message. Lisons Matthieu 24:24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils monteront de grands signes et des prodiges de manière à séduire si possible même les élus. Donc, nous voyons que ceux-là, comme ils n'ont pas de message, alors la Bible dit, les faux prophètes, comme ils n'ont pas de message, ils viennent avec des miracles et des prodiges. Alors Karambiri lui-même dit que Emmanuel Sawadogo aura des miracles. Il aura une onction fraîche. Ceci, cela, il viendra des miracles. Donc au fait, Emmanuel Sawadogo se place dans Matthieu 24:24. C'est un faux prophète. Voilà pourquoi je l'ai dit à la première vidéo, par rapport à la première vidéo, que ceux-là, ce n'est pas des hommes de Dieu. Emmanuel est un séducteur. Karambiri, c'est un séducteur. Donc l'onction que Emmanuel Sawadogo a reçue, c'est pour pouvoir séduire le peuple burkinabé. Ça, c'est la Bible elle-même. C'est par la Bible que j'en ai démontré que ceux-là, ce n'est pas des hommes de Dieu. Leur manière de dire, Dieu m'a dit, ce n'est pas Dieu qui les a dit. C'est Satan qui ne fait que les parler jour et nuit. Donc, je sais que toi, Emmanuel Sawadogo, tu es un illettré. Voilà pourquoi Emmanuel Sawadogo, Karambiri peut te faire marcher. Toi, un vieux de ces gens, on peut te faire marcher, on te donne des chaussures. Ça, c'est chaussures pour ouvrir les séminaires. Tout ça, c'est du banditisme. Ça, c'est des délinquants, c'est des coulounas, c'est des hors-la-loi. Ceux-là, ils ne connaissent rien. Regardez, c'est la nouvelle paire de chaussures des prophètes. Allez, apparemment, Norès, Néo-de-Pal. Tu entends? Oui, mais. Voilà. Ouais. Chaque fois qu'il portera, il n'a pas besoin de porter pour prêcher. Oh, et chaque fois qu'il doit aller en mission, il apporte ça avec lui. Pour l'ouverture du séminaire, voilà, la campagne, il commence avec ça. Il a fait les chaussures dans lesquelles. Voilà. Prends ça, tu portes le pied droit. Porte cela au nom de Jésus. Voilà. Le pied gauche. Voilà, lève-toi, tu marches un peu derrière là, un peu. Tu viens de le courant. Voilà. Assois-toi. Voilà. Ils n'ont pas de message, ils sont venus juste pour séduire. Mais vous qui les suivez, vous ne pouvez pas aller au paradis dans cette condition. Parce que vous allez recevoir des démons de séduction. Vous allez recevoir des démons et ces démons vous enverront où? En enfer. Parce que le salut n'est pas par un prophète qui vient avec des miracles, mais un prophète qui vient avec un nouveau message pour sauver les élus de son temps. Et regardons, quel est le message que Emmanuel a? Écoutons Emmanuel Sawadogo lui-même.
Et maintenant, ça va tout vous. Il peut dire que la prière, vous allez prier. Mais est-ce réellement un prophète quand il vient, c'est la prière? Donc regardons la prière de Emmanuel. Donc ça, c'est une manière que Dieu lui a donnée selon lui. Et cette manière-là, Jésus n'a pas prié comme ça. Aucune personne sur la terre ne prie comme ça, si ce n'est pas les démons qui sont sur Emmanuel Sawadogo. Mais comme il reçoit ces démons, c'est par son père, le patriarche Karambiri. Et le 28 janvier 2023, il a reçu encore des renforts de démons. Regardons un peu la vidéo des renforts des démons. Émilie, tiens-toi derrière. Koratakis Kurihanda. Rataka brato kuros kondo brinda brata karas kandoloto kuros kondo brianda brahanda. Ritaka barato kurosko indi brinda brahanda. Rataka barata kuroskuri indi brinda brahando kuroskuri indi brinda brahanda. Rita. Donc il reçoit un parler en langue. Karambiri fait un parler en langue alors que la Bible, quand nous allons essayer de voir dans la Bible, il est dit que le parler en langue, il faut forcément un interprète. Mais les chikarakarakara, les charapour, tout ça là, c'est le diable. Cette manière de parler en langue ne vient pas de Dieu. Le don de parler en langue là, ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on parle en langue, il faut un interprète. Et Emmanuel Sawadogo reçoit des démons pour pouvoir séduire l'humanité. Regardez comment il fait dans ses prières. Moi, Abou Badou, disciple du prophète Takou Philippon, c'est normal que si je vois que ceux-là ne sont pas des hommes de Dieu, je vais le dire. Le message de Takou Philippon a déjà tracé le chemin. Si quelqu'un est un serviteur du diable, on ne dit pas à un voleur qui n'est pas un voleur. Si on ne dit pas à un délinquant qui n'est pas un délinquant. Lorsque ceux-là, ce qu'ils sont en train de faire ne vient pas de Dieu, c'est normal qu'on dénonce ça. Mais si quelqu'un est à la recherche de la vérité, il va quitter. Emmanuel Sawadogo, il faut laisser nos parents en paix. Il ne faut pas faire souffrir le Burkina. Le pays a tant souffert. Voilà pourquoi j'ai dit que si le président de la République du Burkina Faso veut que le terrorisme puisse prendre fin au Burkina, c'est ceux-là qu'il doit attraper, aller emprisonner à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Parce que c'est eux-là la source de la malédiction. C'est eux-là la cause du coronavirus même. C'est eux-là la cause du terrorisme. Quand quelqu'un est maudit, c'est quand il se tient une chose et quand il se tient et puis il fait une chose, cette chose aussi, elle est maudite. Donc c'est un décret divin. La solution, vous qui êtes là aussi, vous dites qu'on ne doit pas juger là. Cela, ce n'est pas des hommes de Dieu. La Bible dit dans Jean 7, verset 24, portez un jugement juste. Donc si quelqu'un est un serviteur du diable, c'est normal qu'on dise que c'est un serviteur du diable. Si quelqu'un est un serviteur de Dieu, on dirait qu'il est un serviteur de Dieu. Mais cela, comme j'ai dit, ce n'est pas des hommes de Dieu. Ceux-là, c'est des coulounas, des hors-la-loi, des délinquants spirituels. Ils n'ont pas de message. Mais ils ont réussi seulement à séduire le peuple burkinabé. Mais lorsqu'un prophète vient, comme Takou Philippon, il aura un message. Écoutons Takou Philippon lui-même dans son livre Takou 1, le verset 8 à 9. Ce message dit que le Conseil mondial des églises, le Conseil œcuménique des églises, les associations, unions, fédérations et confédérations d'églises, les églises catholiques,
les églises orthodoxes, les églises méthodistes, Ekankar, la secte Oru, les églises luthériennes, les églises anglicanes, Maïkari, les églises baptistes, la Rose-Croix, les églises nazariennes, la scientologie, l'ésotérisme, les églises anabaptistes, le vaudou, les églises adventistes, les compagnons de Jésus, la mission Emmaüs, la vie profonde, les témoins de Jéhovah, les témoins de Jésus, les églises Foursquare, les francs-maçons, les églises pentecôtistes, le culte des dieux Inca, les églises protestantes, Krishna, l'église du Christ, la méditation transcendantale, le Graal, les spirites, les églises évangéliques, les mormons, Guru Mahaj et toutes les églises dites révélées ou rétablies, les camps de prière, les monastères, les couvents, les missions et ministères, y compris les branhamistes, c'est-à-dire ceux qui suivent encore le message de William Branham, même dans sa pureté, sont des purgatoires et des filets de Satan pour envoyer l'humanité en enfer. Et les esprits qui agissent dans ces églises ne sont pas le Saint-Esprit, mais ce sont des démons de séduction. Ce sont les mêmes démons qui étaient dans les rivières, les marigots, masques, vaudous, forêts et bois sacrés, les coutumes et traditions, et qui suscitaient les féticheurs traditionnels. Donc vous-même, vous avez entendu, le cacophile a un message. Le prophète Akoufle a un message. Et son message dit que les églises catholiques, protestants, baptistes, anabaptistes, témoins de Jéhovah, tout cela, c'est des filets lancés par Satan pour conduire l'humanité en enfer. Et le message de Akoufle dit que l'esprit qui agit dans les églises catholiques, protestants, Chimamanda Karambiri et Manas Wadro, ce sont des démons de séduction. Que ce soit Jérémie Zindi, Abbé Bikaba, tout cela, c'est des filles du diable. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Mais si vous les suivez, c'est parce que vous aussi, sûrement, vous êtes des enfants du diable. Sinon, un aveugle qui conduit des aveugles, il faut que l'aveugle aussi soit un fils du diable pour conduire les autres fils du diable. Donc, si vous êtes un fils de Dieu, et puis vous ne voulez pas aller en enfer, vous devrez sortir de ces églises pour croire au message de Kakoufile. Une prostituée qui a arrêté le jour de la consécration, Dieu ne dit pas à Karambiri que l'habit de la femme avec toutes ses mains au dehors, l'habit transparente là, Dieu ne dit pas à Karambiri que ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi j'ai dit que ceux-là, c'est pas Dieu qui les parle, c'est Satan. C'est les démons de Marigo qui les parlent. L'esprit du diable prenant la parole du Saint-Esprit pour les séduire. Kakoufile a un message pour toute la terre. Donc que ce soit même l'islam même que nous voyons, c'est par le prophète Akoufile nous avons su que l'islam, ça vient du diable. C'est par Akoufile nous avons su que les églises catholiques, ça vient du diable. C'est par Akoufile nous avons su que le Coran, c'est un livre démoniaque, comme la Bible du second. Le Coran est un livre satanique, comme la Bible Tob. Le Coran est un livre diabolique, comme le Nouveau Testament Gédéon. Mais la vraie Bible à utiliser, c'est la Bible Darby. Donc si dans chez toi à la maison, tu n'as pas la Bible d'Arby, tu es possédé. Et la délivrance est de croire au message de Kakoufile. Donc vous qui êtes à la recherche de la vérité, le salut s'est fait chier au travers d'un homme, Kakoufile. Et ce n'est pas Kakoufile seul qui est le salut. Vous allez dire que Jésus a été le salut en son temps. Selon Jean 9, verset 5, il pouvait dire que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc selon Matthieu 23, verset 34, Jésus a promis qu'il enverra des vrais prophètes. Et ces vrais prophètes, aujourd'hui, Kakoufile fait partie. Donc vous ne pouvez pas aller au paradis sans Kakoufile. Donc que ça soit Emmanuel Samadogo, c'est un serviteur de Satan. Que ça soit Karambiri, c'est un serviteur du diable. Que ça soit les prêtres, les papes, tout cela c'est des serviteurs de Satan. Les imams, le salut c'est un prophète. Aujourd'hui là, si tu es dans l'église de 6 midi, tu dois sortir pour croire au message de Kakoufile. Si tu fais partie de la confrérie des sorciers, appelée Siemia, de Karambiri, tu dois sortir pour croire au message de Kakoufile. Sinon, vous mourrez dans ces conditions, vous partez région Didi Arafat et Bon Marley dans le même enfer. Donc quand vous dites qu'on ne doit pas juger, je suis d'accord avec vous. Mais, si quelqu'un n'est pas aussi un serviteur de Dieu, Dieu aussi donne droit au prophète de dénoncer. Et aujourd'hui, Kakoufile a déjà dit que ceux-là, ce n'est pas des hommes de Dieu. Donc ce n'est pas un mandat divin que Kakoufile dit cela. Donc aussi longtemps que vous n'êtes pas avec Kakoufile, vous ne pouvez pas être sauvé. Le salut, c'est au président de l'indicatif et c'est Kakoufile aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Application prophète Kaku Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kaku Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application prophète Kaku Philippe officielle est pour toi.